Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'octobre parce que je suis allée à Emmaüs hier. Voilà. Donc c'est spécialement Emmaüs. J'ai juste un livre neuf, mais ça date du mois de septembre en fait. C'est mon achat du mois chez France Loisirs. Donc je vais commencer par ça, mais sinon le reste c'est que du Emmaüs. Je m'excuse tout d'abord pour ma tête. Voilà. Bibou a très mal dormi cette nuit, donc moi aussi. Voilà. Je suis KO. Donc on commence par France Loisirs. Donc, je pense que vous vous doutez, si vous avez vu les derniers book haul, si vous avez vu mon dernier achat, France Loisirs, je regarde un petit peu dans l'état qu'il est. J'ai mis du temps avant d'aller le chercher, parce que moi je le commande sur internet, et je vais le chercher dans ma boutique. Voilà, après, dit sous 14 jours, mais là, j'ai pas reçu le message ou quoi que ce soit, pas de mail ou quoi, il y a eu un bug niveau informatique de leur côté, donc j'avais passé un coup de fil avant de passer pour être sûre qu'elle y était. Mais voilà, elle y était. Donc, je me suis pris donc, le tome 2 de Rebecca Keane, donc Pacte de sang, j'aime toujours autant. Ils sont vraiment jolis, je trouve. Et je les ai à 9,99€, je crois. Donc voilà, quand j'ai un achat du mois à faire et que j'ai pas trop les moyens, bah, je prends toujours un petit truc à 9€ et voilà. J'ai très envie de lire cette saga, donc voilà. Et ils sont très jolis. Voilà pour celui-là. Ensuite, bah, on attaque avec Emmaüs. Donc à Emmaüs, j'en ai eu pour 33€. C'était pas le compagnon d'habitude parce qu'il avait. Il y a tellement d'arrivages qu'il a beaucoup de retard. Donc il travaillait derrière et c'est une bénévole qui était à sa place pour pas l'encaissement, mais bon, pour comment on peut dire ça, pas enfin, qui gérait le coin bouquin quoi. J'ai vraiment du mal, hein, je suis désolée, hein. Donc tout d'abord j'ai pris des DVD, voilà, à chaque fois je vous montre, c'est un book haul, mais on prend toujours les DVD que je prends pour Bibou. Donc j'ai trouvé Cars, donc c'est Pixar ça, ouais, Disney Pixar, donc voilà, j'ai trouvé Cars, j'ai pris, je sais même pas combien je les ai eu parce que je vous dis j'en ai eu pour 33€, mais j'ai 16 livres et 3 DVD, donc j'ai pas trop compris comment on m'a compté ça, mais je pense que j'ai vu un prix quand même. Donc ensuite j'ai trouvé mes amis Tigrou et Winnie, voilà, donc chez Disney, Enquête et Découverte, donc voir. Ça sera pour ça. Ça j'ai vraiment du mal. Ça sera vraiment pour quand il sera un peu plus grand. Mais voilà, c'est Winnie. On va pas en parler. Hein. Et j'ai trouvé Robots. Celui-ci, je ne l'ai pas vu. Donc voilà. C'est chez qui? Century Fox. Bon, à voir. Mais ouais, je ne l'ai pas vu. Donc. Ça nous fait un dessin animé en plus. Par où je vais commencer? On commence. Allez. Donc tout d'abord, j'ai trouvé Chasseuse de vampires, donc le tome 1 donc, de Nalini Signe, donc aux éditions J'ai lu, donc c'est Le sang des anges. Et voilà, là, vous savez que j'adore Nalini Signe pour Tea Changeling, et voilà, cette saga me faisait envie. Et donc je l'ai trouvé. C'est cool, et je sais même pas, c'est normalement je l'ai eu à 3€, normalement. Mais voilà, il est en bon état, donc j'ai voilà, j'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé pas mal de Milady, donc je sais même pas si c'est pas une saga complète, mais je sais pas trop en fait. Donc, faut que je retrouve le premier... Donc j'ai trouvé de Dan Cook Vérité Première, donc le premier tome Vérité, donc aux éditions Milady. Voilà. Il y a une petite phrase de Patricia Briggs, tous les ingrédients qui font un bon livre à mes yeux. Donc voilà. Patricia Briggs, j'en ai un que j'ai toujours pas lu, mais bon, c'est une auteure qui m'intéresse. Ah, il y a un petit papier. Il est où? Je l'ai vu. Mais je vais pas réussir à le retrouver. Hein. Donc un livre qui n'a pas été fini, je crois. Voilà.
écrit tout petit, tout petit, tout petit. Donc c'est une mini chronique. Mini chronique. Une hypothèse pour la fin du livre, je crois. Mais voilà, je crois qu'elle l'a pas terminée. Donc pareil, j'ai dû l'avoir à 3 € aussi, celui-ci. Hop. Au lieu de 8, et voilà, il est en bon état, franchement. Donc je suis contente. Et voilà, du coup, voilà. Et c'est rare que je trouve du Milady à Emmaüs. Donc là, quand je les ai vus, j'ai pas vraiment réfléchi. Ensuite, bah, j'ai trouvé le tome 2. Toujours avec une belle couverture. Donc le tome 2, il a quel nom? Il s'appelle tous Vérité cachée. Ah non, Vérité première, et celui-là, c'est Vérité cachée. D'accord. Donc toujours de Dan Cook. Et toujours à 3 €, je suppose. Ouais. Il y a la même phrase de Patricia Brigaudo. Donc voilà pour le second tome. Donc, je pense qu'elle, c'est la même personne qui les a déposés. Ensuite, il y avait aussi le tome 3, donc toujours de Dan Cook. Donc là, c'est Vérité oubliée. Toujours, celui-là, il a un petit peu pris de l'eau, je dirais, l'humidité sur les dernières pages. Vous voyez, c'est un petit peu gondolé. Mais bon. Pour 3 €, donc là c'est dans les verts. Ensuite, bah, il y avait le tome 4, et je sais pas si c'est le dernier tome, si c'est toute la saga complète ou pas. Je sais pas. Ah, là, il y a un peu de colle sur le... Donc là, c'est Vérité perdue. Donc là, on est dans les jeunes rangées. Ah, là, c'est toujours la même phrase de Patrice Rapplic, sauf qu'ils ont bien rajouté le nom de son premier. Son premier roman. Celui-là, il est en très bon état. Donc pareil, j'ai dû l'avoir à 3 €. Hop. Donc je sais pas si c'est une saga complète ou quoi. Mais bon. J'ai trouvé, j'ai pris. Hein. Ensuite, j'ai trouvé La fille du soleil noir de MLN Hanover. Je connais pas du tout, mais bon, c'est de la bitlit. Toujours des couves qui donnent très envie. À voir. Donc c'est un premier tome. On verra bien. Pas de marque-page. Pareil, non, il est noté 3 €, mais je sais pas trop. Voilà. Ensuite, on reste toujours chez Milady. J'ai trouvé un Kim Harrison, donc Sorcière pour l'échafaud. Donc le premier tome, Rachel Morgan. Et Charlène Harris, l'auteur de True Blood, dit « Vous allez adorer ». Donc, voilà. Je verrai bien. Pour celui-ci. Donc, pareil, toujours en bon état. Il est un peu jauni sur le dessus, mais ça va. Toujours à 3 €. Mais je ne sais même pas s'il a été lu, quoi. Tranchant nickel. Donc, voilà pour ça. Donc, ça me fait pas mal de Milady et je suis contente parce que, bon, bah, à part mes petits changelings, j'avais pas de... Je sais même plus si je les ai, mais je crois qu'ils sont. Ouais, ils sont derrière moi. À part les petits changelings, j'avais pas de Milady dans ma bibliothèque. Donc ensuite, je sais pas où je peux prendre. Je vais montrer celui-ci. Encore un en très bon état. Voilà, j'ai vu la couverture. J'ai même pas lu le résumé ou quoi. Bah, de toute manière, je les lis rarement. Mais il était en très bon état. Et voilà, la couverture me donnait envie. Donc j'ai pris Humaine. Ah, je trouve qu'elle est sublime. Elle a des yeux de ouf. Donc de Rebecca Meisel aux éditions Albin Michel Collection Louise. Même là, le dos. Je crois que c'est le dos. Enfin, voilà. Même là, c'est super joli. Pas cassé du tout. Enfin voilà. Je l'ai eu. Il n'y a pas de prix dedans. Je sais pas, je suis peut-être dû l'avoir à 2 ou 3 € celui-ci, et voilà, il est nickel, il est neuf quoi. Donc je suis super contente, il est très très joli. Donc je vais voir ce que ça donne sur Libradict. C'est quand même relativement écrit gros, mais voilà, il est très joli.
Non, faut pas que je le dise. Ah, mais si, je crois que je l'ai lu. Il y a une histoire de vampire dedans. Donc, voilà. Je verrai bien. Mais il est super beau. Ensuite, il y a du bon, donc je voudrais montrer le bon pour la fin, du très bon. Ensuite, j'ai trouvé, je sais pas pour combien je les ai vus, ceux-là, s'ils étaient, il y avait un bac et j'ai quasiment tout pris ce qu'il y avait dans le bac. Enfin, même dans deux bacs, parce qu'il y avait un bac où il y avait les Milady et j'ai dû en laisser un. Il y avait aussi Vampire de Chicago dans un des rayons, mais il était abîmé à une certaine page, donc je ne l'ai pas pris. J'étais un petit peu dégoûtée, mais voilà. Et là, dans un autre bac, et ben, pareil, j'ai quasiment tout pris, j'ai dû en laisser trois de livres. Voilà. Ben, pète un câble. Donc j'ai trouvé deux Karina Rosenfeld. Zalim, donc le premier tome, donc c'est aux éditions Scrinio, c'est mon premier Scrinio. Voilà. Et voilà. Il me semble que j'en ai entendu parler, je ne sais plus sur quelle chaîne, je ne sais plus. Mais voilà, il me faisait envie et il est en état neuf et voilà, il m'en faut pas plus. Bon. Voilà. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Donc super contente. Pour celui-ci aussi. Bonjour Bella. Qu'est-ce que tu fais? Faut pas le bordel, s'il te plaît. Ensuite, j'ai trouvé La Maîtresse de guerre, donc de Gabriel Katz, toujours chez Scrinéo. Voilà. Donc là c'est pareil, je pense que c'est la même personne qui a redonné ses livres. Voilà. Je la remercie. Hein. Il est un petit peu abîmé sur le bas celui-ci. Ouais, vous voyez là. Mais bon, c'est pas grave. Donc, premier Gabriel Katz, celui-ci aussi, j'en avais entendu parler et ça me faisait envie. Donc, je suis super contente. Super contente. Donc, de la fantasy. Voilà, quand changer de genre parce que. Voilà, j'alterne maintenant. J'essaye d'alterner parce que la romance, ça commence à me gaver un peu. Voilà. Tout ce qui est Hugo roman, j'ai un peu plus de mal maintenant. Voilà, je dois vraiment l'avouer, ça ne me correspond plus. BMR, ça commence à être pareil, je crois. Donc voilà, c'est pour ça en ce moment, vous voyez pas mal de MXM Bookmark niveau romance, parce que bon, bah, ça me change. Ça fait du bien. Donc ensuite, j'ai trouvé des épreuves non corrigées. Donc moi ça me dérange pas. Surtout que c'est. Il y en a certains, ils sont pas très très vieux. Donc si quand même. 2014, 2016, août 2016 et octobre 2015. Mais bon. Il y en a un, le nom de l'auteur, il me faisait trop envie, donc j'ai pris. Donc j'ai trouvé Le copain de la fille du tueur de Vincent Villeneuve. Donc voilà. Chez Nathan. Je sais pas, il ne montre pas la coupe du tout à l'intérieur. Mais voilà, Vincent Villeminot, j'ai envie de lire Les Pluies. Les deux tomes sont dans ma palle. Et voilà, ça me faisait. L'auteur me donne envie, donc j'ai pris. Il s'écrit gros, et ça devrait se lire relativement vite celui-là. Donc, et ça pourrait me changer de mes lectures habituelles. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai trouvé Aux délices des anges de Cathy Cassidy. Voilà. J'ai lu le premier tome des filles au chocolat. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas continué. Mais il va falloir parce que bon, bah, c'est frais, ça se lit tout seul et c'est mignon. Donc, ouais, que je continue. Donc, voilà. J'aime bien l'auteur, donc j'ai pris. Toujours chez Nathan. Hein. Et ensuite, une brique. Toujours en épreuve non corrigée, donc toujours chez Nathan. C'est de S.E. Grove. C'est Les cartographes. Donc le premier tome, La sentence des vers. Donc malgré que ce soit un service presse, donc là j'ai quand même le petit speech. Et vous avez quand même. Les débuts de chapitre un peu quand même et même la carte
les cartes. Ah oui, les cartes. 23. Donc, et le bas de page. Voilà. Donc je trouve que c'est quand même cool hein, pour une épreuve non corrigée. Regardez. Je trouve ça quand même cool. Donc voilà. Pareil, je l'ai eu à 3 euros. Et il me fait très envie celui-ci. Donc voilà. Très contente de l'avoir trouvé, hein. Même si c'est une épreuve non corrigée. Hein. Voilà, voilà, voilà. Hop. Ensuite, j'ai trouvé Morningstar, donc de Pierce Brown. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Aux éditions Hachette Roman. J'ai acheté le premier, je crois. Le Red Rising. Je sais plus où je l'ai mis. Ah si, il est là. J'ai acheté celui-ci en format à 7,95. Pareil chez Hachette. 7,95 et derrière il est écrit 7,56. Je l'ai où? Je sais même plus. Ah si, je l'ai eu à Auchan. Non, pas Auchan. À Leclerc. Donc oui, je l'ai eu à 7,56 au lieu des 7,57. Au lieu des 7,95. Oh, putain. Je m'énerve tellement, j'ai trop du mal à parler. Mais donc voilà. Donc le premier tome, donc c'est toujours aux mêmes éditions, donc c'est cool. Et celui-ci, je l'ai eu à. C'est pas écrit, j'ai dû l'avoir à 3 ou 2 euros. Mais bah, super contente, il est en très bon état. Donc voilà. Je suis trop contente. Si la personne qui a déposé tous ces livres, voilà, pour en déposer encore plus, ce serait cool. Enfin, faut qu'elle un petit peu tous les mois. Voilà. Mais bah, le compagnon m'a dit que je suis passée à côté de plein de trucs. Donc j'ai un peu les boules, mais après, bon, je me dis, bah tant pis, de toute façon, financièrement, t'aurais pas pu. Donc voilà. Mais je suis contente. Ma pile, elle va pas tenir. Hein. Donc voilà, Morningstar. Du coup, il me reste plus que le dernier, le Golden Soon. Voilà, celui-là, je verrai bien si je me prends à France Loisirs ou non. Même si, bah, voilà, il n'y aura plus à vie derrière, ça sera plus la même édition. Mais bon, je verrai bien. Ensuite, j'ai trouvé Rebelle du désert, donc de Alwyn Hamilton, chez PKJ. Il est super. Beau, sauf que là il est, ouais, vous le voyez, il est cassé, mais bon, celui-là aussi il est dans ma palle, je crois même qu'il est dans ma liseuse, mais voilà, il est très très joli, donc voilà, je l'ai pris et j'ai mon pied qui commence à tétaniser, super. Et le dernier, je m'attendais vraiment pas à trouver ça chez Maïs, j'ai trouvé Six of Crows. Donc de Leigh Bardugo aux éditions Milan, voilà, et j'étais trop contente, quoi. Quand j'ai vu ce bac là, je me fais non, c'est pas possible. Donc quand je l'ai vu, j'y ai pas trop cru, il est quand même un peu cassé, mais je suis trop contente de l'avoir trouvé. Donc celui-ci, il va falloir que je le lise très prochainement, voilà. C'est trop beau, ça me donne vachement envie. J'espère que je vais pas être déçue et je vais réussir à rentrer dans l'univers. Ça, je pense pas que je vais pouvoir lire ça au boulot, par exemple. Il va falloir que je me lise un chapitre le soir avant de me coucher ou un truc dans le style. Mais voilà, je pourrais pas lire au boulot celui-ci, c'est sûr. Donc il va me durer un moment, mais bon, tant pis. Mais il me fait tellement envie, il est vraiment beau, vraiment, vraiment beau. Donc hâte de commencer et tellement contente d'avoir trouvé cela à Emmaüs. C'est juste wow. Une trop belle surprise. C'était une bonne journée. Malgré qu'elle ait mal commencé, mais ouais. Trop bien. Je suis trop contente de tout ce que j'ai trouvé. Voilà. Enfin, comme quoi Emmaüs, ça vaut le coup. Donc voilà pour ce book haul. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si certains livres que je vous ai montrés, vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Et bah,
N'hésitez pas à aller faire un petit tour dans votre Emmaüs et dites-moi si vous avez trouvé des bons livres ou autres, parce que bon, ils font pas que des livres. Et je vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Cette fois-ci, je n'ai pas de marque-page. Je pense que c'est la même personne qui a donné les 4 tomes. Là, je vous ai spoil. Je ne sais plus si je suis vraiment folle.